Bonjour, je suis Asma Shakir Alaoui, cofondatrice de Vélivélo, une solution qui permet de décarboner la livraison du dernier kilomètre. Votre parcours en quelques mots. J'ai grandi à Rabat et avec mon baccalauréat, je me prédestine à faire des études en France. 2 années de classe préparatoire, puis des études d'expertise comptable à la Sorbonne. Je débute ma carrière chez EY. Après 8-9 ans dans le cabinet, je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec Vélivélo. Racontez-nous l'aventure Vélivélo. L'aventure Vélivélo débute en 2017 avec mes deux cofondateurs, Othmane et Jamy, qui sont restaurateurs depuis plus d'une dizaine d'années. Et ils livraient leurs clients avec un scooter thermique. Et ils se sont vite rendus compte que ce véhicule n'était absolument pas adapté à l'activité, pour de nombreuses raisons. Il est coûteux, accidentogène, de moins en moins performant, et il est quand même polluant, que ce soit au niveau de la pollution sonore, comme en termes d'émissions de CO2. Ils décident donc de passer au tout électrique et au vélo électrique. Mais à l'époque, n'existe pas de vélo électrique qui pouvait répondre aux exigences des professionnels. Ils ont donc décidé de créer leur propre vélo électrique. Othmane et Jamil étant des hommes du terrain, des opérationnels, des entrepreneurs dans l'âme, ils avaient besoin d'une personne complémentaire avec des compétences complémentaires pour venir monter la boîte, la structurer, la rendre rentable. Et c'est là où on s'est associé et qu'on a associé nos compétences pour créer Vélivélo. Comment fonctionne Vélivélo ? Vélivélo est à la fois un produit innovant puisque c'est un vélo made by Vélivélo, mais c'est également un service novateur. L'idée de base était de dire aux restaurateurs, nous connaissons votre métier est extrêmement prenant et c'est la raison pour laquelle on est venu adosser autour du vélo un certain nombre de services. Donc nous offrons la location du vélo, l'assurance Volcast, la maintenance, le vélo de courtoisie en cas de panne et un certain nombre d'outils digitaux que nous avons développés. Quand verra-t-on Vélivélo dans les villes marocaines ? L'aventure Vélivélo nous amènera au Maroc, c'est une certitude. D'autant plus qu'on sait que le Maroc est précurseur sur tous les sujets de développement durable, de ville durable et de mobilité douce. Et cela nous paraît complètement naturel de venir apporter notre innovation au Maroc. Alors je vous le dis en avant-première, tenez-vous prêts, nous arrivons dans les grandes villes marocaines à partir de la rentrée. Il est très compliqué de s'introduire sur un nouveau marché. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. Et nous savons que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a pour volonté de faire du Maroc un exemple en termes de développement durable, que ce soit au niveau africain qu'au niveau worldwide, et nous avons comme devoir d'y participer. Nous avons la chance également d'être accompagnés par le groupe Africa, puisque nous faisons partie du programme 50 Sprints, qui met à l'honneur des startups marocaines. Pour finir, un conseil aux jeunes entrepreneurs ? Alors je dirais les deux maîtres mots sont l'audace et la persévérance, parce que l'aventure entrepreneuriale est une aventure qui se vit à pleine vitesse et qui demande une très forte force mentale. Et puis si vous me permettez, j'aurai un mot pour les femmes entrepreneurs, parce qu'il est très difficile d'être femme et entrepreneur, et souvent même maman. Mesdames, croyez en vous, croyez en vos projets, et surtout soyez ambitieuses, et comme on dit, sky is the limit.